déclarer, Seigneur, je soupire après ce jour. Les vierges qui ont de l'huile dans leurs lampes, elles ne dorment pas comme tout le monde. Elles ne dorment pas comme tout le monde, car elles savent que l'époux peut débarquer à n'importe quel moment. Il n'est pas obligé d'attendre que tu sois marié, il peut venir maintenant. Il n'est pas obligé d'attendre que tu effectues ton voyage de rêve aux États-Unis, il peut venir maintenant. Heureux ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Je ne veux pas rater ce rendez-vous. Pour rien au monde, pour rien au monde, pour rien au monde. Seigneur, j'attends ce jour glorieux où enfin je te verrai. Mon conjoint a dit la bolengue. Et ça qui le quoi lisa pour la yesobika. Je ne savais vraiment pas à quoi ça ressemblait. Mais heureusement, celui qui m'a pris en charge s'appelle le bon berger. Heureusement que celui qui m'a pris en charge, non seulement qu'il connaît le chemin sur lequel il me conduit, il est lui-même ce chemin de la vérité et de la vie. Heureusement que celui qui m'a pris en charge s'appelle Alpha et Omega, le point de commencement et le point d'arrivée. Un jour je verrai ta face. Voilà, Bradé. Un jour, Jésus, tu reviendras pour nous prendre. Un jour, je sais, dans ton amour, tu nous prendras de tes richesses. Je sens dans mon cœur que le Seigneur veut que nous puissions nous reconsacrer à lui ce soir. Fais juste une prière de reconsécration à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je me donne encore, je me donne encore. Si mon cœur commençait à reculer ce soir, je me redonne au maximum, comme un parfum. Si je suis la monture, eh bien, utilise-moi. Va où tu veux avec moi. Je me redonne. Avant de te donner ce que j'ai prévu dans mes poches, je me donne moi-même. Est-ce que quelqu'un peut se reconsacrer au maître de sa vie? L'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Est-ce que quelqu'un qui commençait à sentir le monde l'attirer davantage peut dire ce soir, j'appartiens à Jésus. Je me redonne à mon maître. Je me redonne à mon maître. Donne-toi tout entier à lui. Donne-toi tout entier. En ce jour de gloire, en ce jour de fête, tous les frères de Jésus seront heureux pour toujours. Jésus, tu reviendras. Un jour, je sais,
dans ton amour. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Merci pour ta présence qui nous accueille déjà en ce lieu. Merci pour tes anges éternels qui sont prêts pour nous servir selon tes ordres en ce lieu. Nous te demandons une seule chose. Par ton esprit, enseigne-nous s'il te plaît. Enseigne-nous éternel. Passe par ton serviteur, par ton instrument que tu t'es choisi ce soir, notre Père, notre pasteur, afin de pouvoir nous booster, nous encourager, nous élever, élever notre esprit à un niveau très élevé, Seigneur, afin de pouvoir être parfait pour ton œuvre ici et partout ailleurs. Que cette soirée soit bénie au nom de Jésus. Amen. Ok, ça va, ok. Bonsoir. On va faire avec ça donc. Vas-y, essaie. Allô. Ok. Allô. On va avoir plus de volume pour elle aussi. Allô. Merci. Ça peut arriver. Donc, je pense que si vous commencez à fréquenter cette église, vous saurez que nous aimons beaucoup la parole de Dieu. Et que donc, quand on parle de la parole de Dieu, nous devenons très, 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 très déterminés. Donc, ça veut dire que nous commençons à... Nous sommes très heureux quand il s'agit de la parole de Dieu. Nous devenons très, très heureux. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler, comme je vous l'avais promis, qu'à un moment, nous allons arrêter un peu notre course sur la compréhension de l'Évangile pour préparer les uns les autres à la méditation biblique de l'année prochaine. Alors,
Je ne sais pas si tout le monde est intéressé tant par le sujet. Et, mais bien, la vérité est que je rencontrais très souvent des problèmes ou des questions ou des difficultés dans la vie des chrétiens liées simplement au fait de ne pas avoir compris la parole de Dieu. Et la lecture biblique de l'année prochaine, ce n'est pas une course à la montre. Ce n'est pas pour que nous arrivions le 31 décembre 2018, on dise, qui a lu toute la Bible? Oui, moi, ah, fantastique, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'en ayant lu l'entièreté de la parole de Dieu, on se soit rapproché des Écritures, qu'on ait compris plus que ce qu'on comprenait avant. Le but, c'est qu'on n'aura pas tout compris, on ne peut pas tout comprendre la parole de Dieu, elle est pleine de ressources. Mais qu'on soit au moins capable d'établir en nous une réflexion ou une ligne d'idées qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. De se rendre disponible à ce voyage que nous fait faire le Saint-Esprit quand il veut nous faire comprendre la parole de Dieu. Et que quand nous sommes devant les Écritures, nous sachons où aller, à quoi nous attendre et comment exercer ce don pour mieux comprendre la parole de Dieu. C'est cela le but. Alors aujourd'hui, je vais vous enseigner la méthode la plus simple, très utilisée par le groupe public de universitaire. Dans les universités, il y a des groupes bibliques qui aident les étudiants à lire la Bible ensemble. Donc, je disais, dans les universités, il y a des groupes bibliques qui aident les gens à mieux comprendre la parole de Dieu. Alors, c'est ce groupe biblique, ce groupe d'études bibliques a simplifié une méthode qui aide beaucoup. Disons plutôt qu'ils l'ont beaucoup développé, ils l'ont beaucoup utilisé, qui ont fait que ça soit très connu. Ils l'utilisent d'abord pour des moments d'études bibliques collectives, donc ensemble. Mais c'est aussi une méthode qu'on utilise aussi pour une étude biblique personnelle, seule. Alors, est-ce que moi, maintenant, je peux avoir le volume, le son, maintenant? Est-ce que Mobate Lipata Kokozwa volume et pas inaépe? Ça va? Ça va? Vous avez compté, ça fait 12 mois que je suis patient avec vous. Donc, dès que le 12e mois fini, il termine. Natanga qui pendra 12 mois, Toba Sanza 12, Nazaye Kozé, la moté ma pète. Je ne sais pas comment vous allez faire. Ce qui est en Wele, qui n'a évité le lingue ni le Bokosala. Donc, tout le monde aussi, tout le monde est 20 quelque chose. On est en train de finir, tout le monde est déjà dans 20 quelques jours. Je me suis décidé de faire 12 mois à ne rien dire comme un agneau de Dieu. Mais en 2018, on ne sait jamais. Ça sera pour la gloire du Seigneur. Alors, donc, c'est la méthode que je vais vous enseigner aujourd'hui. On va essayer de l'appliquer ensemble pour que vous puissiez voir ça. Et nous allons utiliser le texte 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 1 à 11. Je vis tout le monde, j'ai dit 1 Corinthiens. Alors, j'espère que vous avez vos Bibles. Parce qu'on va faire 3 minutes de lecture. Individuelle. Je ne vais pas lire. Vous, je vous donne 3 minutes.
Relisez encore ce texte. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 1 à 11. Kino, la verset 11. Si vous n'en avez pas de Bible, regardez avec le voisin, demandez-lui de vous aider à regarder. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. On y va. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. Top. On commence à lire ensemble. Ne lisez pas comme celui qui veut avoir fini avant les autres. Lisez calmement. Et hey. Alors, dès que vous terminez, vous levez la main droite. Et vous pouvez la baisser, juste lever et baisser pour que je vois qui est intervenu. Ok, merci. 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 Ok, merci. 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 Il y a encore d'autres qui n'ont pas encore levé la main. Ok. Dès que vous terminez, n'ayez pas peur, levez la main, c'est tout. Ce que aussi ici, au tomboli le boko na, fantastique, merci. Voilà. Je crois qu'une grande partie des gens ont terminé. Ceux qui n'ont pas lu, levez la main. Oh, batangi te batali sa le boko. Ceux qui n'ont pas lu, maintenant vous pouvez prendre le livre, la Bible de quelqu'un d'autre à côté de vous. Vous pouvez lire maintenant à votre tour. Ok. Nous allons apprendre maintenant, ensemble, cette méthode qu'on appelle OIA. Ce n'est pas la cité de l'OIA. Je vous ai dit que c'est une méthode utilisée par le GBI, le groupe biblique universitaire. Ils aiment beaucoup utiliser ça pour permettre aux gens de discuter autour de la parole de Dieu, d'échanger autour de la parole de Dieu. J'aimerais que chacun comprenne d'abord le plus simplement possible qu'on n'aille pas dans les méthodes très théologiques, sinon ça va vous embrouiller. Alors, mais bien sûr, c'est une méthode que nous pouvons aussi employer quand nous étudions la Bible pour nous-mêmes. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Troisièmement, alors, voyons ceci. On ne peut pas lire la Bible sans l'interpréter. Non, on ne peut pas lire la Bible sans l'interpréter, sans être capable de leur donner l'explication ou de vouloir la comprendre. Voilà, un peu voilà l'idée. Alors, on ne peut pas étudier la Bible sans l'interpréter, c'est-à-dire
Quand vous lisez la Bible, avant de comprendre, vous êtes obligé d'interpréter. N'est-ce pas? Je vais vous montrer comment ça se passe. Quand on dit, alors, il monta sur une montagne très élevée. Ta tête est obligée d'imaginer une montagne très élevée. Et si la montagne la plus élevée que tu as déjà vue, c'est la montagne de campus. Tu interprètes qu'il est monté vers des choses comme campus. Tu as besoin, comme dans toute communication, de placer des équivalences dans ta tête. S'ils ont dit ça, c'est que ça signifie ça. Les mots utilisés ici signifient ceci. Quand on a dit qu'il est mort, tu interprètes qu'il n'a plus de vie, il n'a plus existé. Même s'il est possible, qu'en ayant dit mort, ça ne signifie pas ce que tu penses par ne plus exister. Mais automatiquement, toi, tu dois d'abord faire une interprétation parce que c'est lié à tes mots, à ce que toi tu comprends. Il est primordial de bien comprendre ce que la Bible nous dit à travers ce texte. Cela peut demander du temps, mais l'investissement en vaut la peine. Il faut prendre du temps, mais après avoir pris le temps, on va rendre grâce à Dieu d'avoir pris le temps de bien étudier la Bible. J'aimerais bien vous donner un autre exemple de chaque fois qu'on étudie la Bible, on lit la Bible, on l'interprète. La fameuse exemple de Paul qui parle et qui dit, c'est ainsi que vous mettiez de la braise ardente sur sa tête. Quand nous, on lit ça, tu vois braise, tu vois directement makala. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai dit braise ardente là, elle a dit makala ya moto. N'est-ce pas? Du coup, tu as mis makala et moto. Tu n'as même pas eu le temps de te poser la question. Est-ce que bango bazalaka na makala na mbabula neti biso? Bango penza na tango wana ils avaient la braise et le feu comme nous. Est-ce que ça se passait exactement comme ça? Est-ce que quand on dit la braise à le charbon ardent, voilà le mot, c'est le charbon ardent. Tango balubaka makala ya moto. Est-ce que c'est comme nous? Mais puisque moi le mot charbon et le mot ardent me font passer tout de suite à makala moto. Du coup, après avoir fini de lire la Bible, à cet endroit-là, j'ai compris que quelqu'un a pris de la braise ardente qu'on a mis sur la tête. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai lu quelque part d'autre. On dit, Balobi, il est allé se couvrir le pied. Parce que pour moi couvrir. Et les pieds. Bon, quand on mélange les deux, j'interprète tout de suite. Il est allé se couvrir le pied. On ne peut pas s'empêcher d'interpréter la Bible. Automatiquement, dès qu'on la lit, on a besoin de la comprendre. Par l'effort de la comprendre, on essaie de la comprendre avec nos mots et nos idées. Quelqu'un qui dit donc qu'il est allé se couvrir le pied. Je te dis donc, se couvrir le pied. Et je me rappelle une époque, j'étais allé au plateau de Bateke. Et il y avait un prédicateur qui prêchait. Pendant ce message, il disait, bien-aimé, ndeko babengi bar Jésus. Ndeko babengi bar Jésus.
Bar Jésus. Ces frères qu'on appelle Bar Jésus, vous tous, vous êtes en train de bien l'écouter. Bar Jésus. Cette personne n'aimait pas beaucoup Jésus. Il voulait les tuer. Son nom déjà est en train de dire Jésus doit mourir. Bar Jésus. Vous voyez? Omoni. Tout de suite, il a interprété. Quand on dit Bar Jésus, ce qui va lobby. Pour le mot Jésus, bar, c'est barré. Pour na ébar lexique oboma. Et ajouter à Jésus, donc on est en train de barrer. Quand on va changer au pembe na Yesu, donc bani ko lobaye te bazali ko boma Yesu. Donc c'est instinctif. Ezali na lo lenge et salamela. C'est-à-dire c'est direct. Ezali lo lenge wana. Pour comprendre les concepts. Pour na ko sosola lo lenge yango. Pour comprendre les textes. Pour na ko sosola. On doit les placer dans nos concepts connus. Et sengeli ko changa na ba lo lenge biso to sosola makambulelo. Et sans nécessairement connaître l'histoire de la Bible, sans nécessairement connaître ce que ça signifie, tout de suite on sort de là avec une sorte de compréhension. Atana ko yeba te lo lenge ni makome sali ko lobela, ka sali ko bima na boyebi na biso na ekolimbo la lo lenge na biso. Alors pour se rassurer que la compréhension dès la première compréhension est exactement la même que dans la Bible. On doit devoir apprendre comment on comprend la Bible. Et c'est la Bible la cette méthode a ceci de simple que c'est souvent notre façon de lire tout autre type de texte. En fait, la simplicité de cette méthode, c'est que c'est comme ça que nous lisons tous les autres textes. Toutes sortes de textes, Bible ou pas Bible. Par exemple, quand vous lisez un article de journal, vous vous focalisez d'abord sur la date. Retenez bien l'idée de ce journal. Dans un article comme un journal, on se focalise sur la date, le titre, l'auteur et les propos de l'article. C'est même pas encore la Bible. C'est juste un journal. Quand vous avez un journal, c'est censé vous présenter les nouvelles. Vous regardez tout de suite la date. Pour que vous sachiez si les nouvelles sont de quel jour. Les gens ne lisent pas de journaux ici. C'est pas grave. Imaginez que c'est sur Facebook. Tu veux quand même te rassurer si c'est une publication de quand. N'est-ce pas? Comment elle a intitulé sa publication? Des fois même les gens ne regardent même pas le contenu, le titre leur suffit. Les jours où dans ma vie j'étais le plus scandalisé de l'internet, c'est le jour où je vis sur YouTube. On a sous-titré à la mort de Marie Misamo. Le pasteur Astoms est très fâché contre les musiciens chrétiens. J'ai vu plein de gens qui ont cliqué dessus. Quand moi j'ai regardé la vidéo, ça c'est une vidéo que j'ai fait en juillet il y a 4 ans. C'était pour annoncer qu'on allait avoir le concert de Rema Oshi pour collecter les trucs des étudiants. J'ai même pas besoin de cliquer, je connaissais la vidéo. Pour Rema Oshi. Mais bon, mon client, c'est un tricard, on a finalement quand même. Je clique dessus, ça répète exactement la même chose. C'est que j'avais dit. Mais je regarde maintenant les commentaires en bas. Les gens se fâchent. D'autres se fâchent, mais seulement la tête d'un smiley en train de faire. Mais combien n'ont pas cliqué? Bongo boni ba fina qui sont pas monter d'autres qui ont commenté sans avoir cliqué. Na bato ba tchaki malo ba kasi ba fini pe atana katite. Pour qu'il se prend. Azomi zwanani. Pourquoi c'est lui qui doit parler à tous les musiciens congolais? Bona nini kaka ye sengen na lo ba pole ba. Il n'a même pas cliqué la vidéo pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. A fini atana katite po ye ba nini yango zalaki na kati. Et donc comme on lit tous les journaux, les nouvelles, on lit la date.
On lit le titre. On lit l'auteur. Et on essaie de lire le propos qui est à l'intérieur. Ce que nous faisons là, savoir si c'est quand, savoir c'est qui a écrit ça, c'est ça ce qu'on appelle un contexte. Maman Béranga, contexte. Contexte. Contexte, ok. Hein? Merci, pasteur. Vraiment, contexte. Alors, le contexte. Bon, au contexte. C'est-à-dire, bah, on comprend. C'est-à-dire le fait simplement que quand on dit une chose, dans quelles circonstances on l'a dit. C'est comme quand on vient un jour. On te dit. Ah, ce jour-là, j'ai entendu votre pasteur en train d'insulter les gens. Il disait imbécile. Pasteur. Pasteur a besoin imbécile. Puisque tu n'es pas à l'aise avec cette idée, tu veux te rassurer d'abord que cette personne me dit une chose vraie. Tu lui demandes. Il a dit imbécile. Qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Vous voyez ça? Vous avez besoin qu'ils disent dans quelle phrase? Est-ce que les gens disent seulement comme ça? Dans le monde, maman, le petit mouton imbécile. Quand vous voulez comprendre une nouvelle, vous voulez que ça soit enveloppé de tout le contour. Vous devez chercher ça aussi dans la Bible. Par ces maîtrisures, nous serons guéris. Seulement comme ça. Pourquoi il a dit ça? C'est que nous faisons souffrir ces saints qui sont morts. Nous faisons souffrir les saints qui sont morts. Jusqu'à nos jours, il y a des prédications qui sont titrées, comme un peu on a titré ma vidéo sur YouTube. Tu vois le thème de la prédication. Et l'huile ne manquera jamais sur sa tête. Bien aimé, quand il parlait ici, il parlait de l'onction. Alors, si moi, vous m'aviez trouvé, j'étais en train de prêcher et j'expliquais que Jésus dit que vous avez appris que celui qui tue, on doit punir celui qui tue. Mais moi je vous dis, si quelqu'un dit à son frère raka, c'est ça le mot en araméen, raka, qui veut dire imbécile, il est aussi punissable. Excusez-moi, il est aussi punissable de mort comme un meurtrier. Liez-les. Prenez une grosse pierre, jetez-les dans l'eau. C'est là que j'ai dit le mot imbécile. Est-ce que si vous n'avez pas la totalité de mon explication, vous ne savez pas pourquoi le mot imbécile est sorti de ma bouche. Et vous prenez ça, vous titrez ça. Les pasteurs congolais et la légèreté des langages sur la chaîne. Vous êtes sorti du contexte. Et tous ceux qui sortent du contexte, c'est toujours, on a l'habitude de dire, pour inventer des prétextes. Vous comprenez? Elle a compris. Dès qu'elle sent que c'est... Elle a déjà eu feu vert. L'analogie, c'est bien.
C'est simplement parce qu'ils veulent inventer une histoire selon eux. Parce qu'il veut faire asseoir son idée selon laquelle les pasteurs congolais ne sont pas sérieux. Il n'a même pas besoin de savoir dans quel contexte il a dit. Parce qu'il veut se battre contre les femmes qui prêchent. Parce qu'il veut imposer à tout le monde de porter de voile. Alors là, Wana, il prend la partie dont il a besoin. Et il affiche. Et il n'a pas lu tout le journal. Quelque part on a écrit, Atom Sumbuma ministre, lui il prend ça. Et il laisse même de Dieu. Et dit, les pasteurs congolais et la politique au Congo. Les gens pensaient qu'ils allaient pour l'évangile. Il a transformé l'église en parti politique. Les journal un tel cite, pasteur Atom Sumbuma, ministre, à Suikawana, et ce qu'il n'y en a pas. De Dieu et le Atom Sumbuma, ministre, à Suikawana, Kassazui de Dieu. Vous voyez comment nous trouvons ça banal, hein? Mais nous faisons ça beaucoup à la Bible. Beaucoup. Nous coupons la Bible en petits morceaux. L'une des choses qui a fait à la fois beaucoup de bien à la Bible, mais j'ai l'impression qu'il lui a fait encore plus de mal, ce sont les travaux de Langston et d'Estienne qui ont subdivisé la Bible en versets. Ceux qui ont fait des chapitres et des versets. Ils nous ont aidés à trouver des références. Mais je crois qu'ils ont aussi facilité la culture du prétexte. Parce que c'est difficile que quelqu'un t'écrive une lettre et que tu commences à interpréter juste une petite phrase sans tenir compte de toute la lettre. Mais parce que les lettres sont chiffrées maintenant, chaque phrase a un chiffre. On commence à avoir l'impression que quand Paul écrivait le verset 1 n'avait rien à voir avec le verset 2 qu'il avait pensé au chapitre. Ça n'existe pas. Quand vous lisez la Bible, sachez que les chiffres que vous trouvez ne sont pas bibliques. C'est scandaleux. Je répète, quand vous lisez la Bible, sachez que les chiffres que vous trouvez ne sont pas bibliques. Ils ne sont pas dans la tête des auteurs. Ceux qui ont écrit n'ont jamais écrit les chiffres. Sachez que les résumés que vous trouvez, la pêche miraculeuse, ce n'est pas biblique. Jésus, avant de pouvoir faire une chose, ne disait pas d'abord aujourd'hui Lelo, la pêche miraculeuse. Ces choses sont faites pour les gens qui veulent à peine commencer à comprendre la parole de Dieu. Mais j'ai l'impression que ça maintient l'église à un niveau du lait et ne l'apprend pas à manger la nourriture solide. Les lire une Bible sans verset. Chaque fois que je fais une étude biblique chez moi, la première chose dont je me débarrasse, ce sont les versets. Je copie toute la Bible sans verset et je l'imprime. Le livre que je vais étudier, je le copie sans verset, je l'imprime. Si tu viens lire mes notes ici, tu verras qu'il n'y a pas de verset. Pour que je ne comprenne jamais les versets, mais que je comprenne tout le livre dans son entièreté. Mais frères et sœurs, le contexte, c'est tellement important. Savoir quelle est l'époque qu'il a été rédigé, quel genre il appartient, texte historique, poétique, lettre, quels sont ses destinataires d'origine,
et aussi où se situe dans la Bible, avant ou après Jésus. Si vous n'avez pas encore réussi à comprendre les textes qu'on vous a cités là, qui l'a écrit? À qui on l'a écrit? Est-ce avant ou après Jésus? On va aller plus loin, c'est pourquoi on l'a écrit. Quand on l'a écrit, ces choses-là, si tu ne les maîtrises pas, ça peut biaiser ton interprétation. Tu vas avoir l'impression. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est intéressant. Je suis un peu enrhumé, un peu grippé. Vous savez, quand on est grippé, on ne ressent rien. Même vous, je ne vous sens pas. Donc, alors, est-ce que ça aide pour l'instant? C'est bien. Si vous ne connaissez pas ça, mes frères, vous allez être perdu dans toute la Bible. Vous devez aimer la parole de Dieu. Pas les commentaires des uns des autres. On est devenu comme l'écho de quelque chose d'autre. Les gens parlent des prédications. Au lieu de parler de la Bible. Ils parlent déjà des interprétations des autres au lieu de parler du texte. La Bible, elle existe depuis des milliers d'années, mais il y a toujours de nouvelles prédications. Donc ne vous attachez pas aux prédications. Attachez-vous à la Bible, à la parole de Dieu, celle qui ne passe pas. D'elle, vous aurez le message du moment. Quel est le contexte dans quoi on est? Ça, c'est le point de départ. C'est obligatoire. Un enfant de Dieu digne de ce nom ne peut pas dire qu'il a fait une année dans la foi sans connaître tout le contexte de chaque livre de la Bible. Dis aux voisins, soyons sérieux. La Bible est des fois plus petite que certains livres de droit constitutionnel. Et connaître les contextes d'un livre, ça ne demande pas difficile. La Bible qu'on a même dans nos téléphones. Le YouVersion qu'on a là dans nos téléphones. Avant de commencer le chapitre 1, on commence d'abord par le contexte du livre. Le livre de Corinthiens a été écrit à telle période. Ça vous donne un résumé de quelle est la matière. Si vous ne me croyez pas, c'est allumé, vous allez voir. Mais ce truc-là, vous ne le lisez pas. Les autres, ils ont fait la théologie, ils se sont battus pour vous résumer ça, pour que ça vous donne une petite idée. Donc, après avoir lu la Bible elle-même, des fois, on se pose des questions qui peuvent, après avoir lu par exemple un livre, des fois on se pose des questions qui doivent être répondues par un autre livre. Alors l'effort que les théologiens ont fait, ceux qui vous ont déjà pris la réponse là où elle se trouve, et ils l'ont résumé, ils l'ont mis au départ avant de commencer à lire les livres. Paul écrivait à qui? Timothée, c'était qui? Timothée azalaki nani? Quelle est la différence entre Timothée et Tite? Philémon, c'était qui? Philémon poye nani? Ce sont des choses qu'il faut connaître, non? La Bible, bien aimé, Samuel bazalami balé. Na Biblia bandeko Samuel bazalaka mi balé. Samuel, vous savez combien est 1 Samuel? Le premier hasard, c'est 1 Samuel. Samuel a mis balé combien est 2 Samuel. Le deuxième, c'est 2 Samuel. Non, là vous êtes perdu. On a obungi sami. C'est important. Mes amours, tout ya. Vous devez savoir quel style de livre est-ce. Si c'est un livre poétique, ne prenez pas tout intégralement.
Parce que quand quelqu'un écrit des poésies, ton amour me donne des ailes. Alors vous voulez interpréter les ailes. Bien aimé, il y a une dimension où tu peux avoir des ailes. Non, il n'y en a pas. Bien aimé, les choses d'esprit, ça y a des dimensions, tu peux avoir des ailes. Et ça la j'ai l'impression que nous avons compliqué la Bible. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à la vivre. Nous voulons qu'elle dise quelque chose pendant qu'elle a déjà dit. Si c'est un livre historique, si c'est une lettre. Paul, apôtre de Jésus. À vous, mes frères. Si tu commences à parler comme ça dans ta vie. À Toms. À Toms. Pasteur. À vous, mes frères. Il faut qu'on reste biblique. On va commencer à se parler comme ça. À tous les frères qui sont à Pakadjuma. Moi, prisonnier du Seigneur. Et si les soldats de Banamoura vous arrêtent la nuit? Les histoires ne se racontent pas comme la poésie ni ma comme la prophétie. Promettez-moi une chose, mes frères. Je ne sais pas quand est-ce que je mourrai, ce n'est pas pour maintenant. Mais je voudrais aller rendre compte devant Dieu. En lui disant que toutes les brebis que tu m'as données n'embrassaient jamais un verset. Sans savoir où ça se trouve. Ça se trouve où dans la Bible? Je ne lis pas la Bible si vous avez déjà constaté. Je ne vous dis pas tout le temps. Matthieu chapitre 14, verset 27. Non, c'est pas ça le but de lire la Bible. C'est de connaître ce qui est dedans. Je te dirai où se trouve la virgule dans ces textes-là. Dès que tu me cites un texte, je dirais que c'est dans tel livre. Même si je n'ai pas besoin de te dire c'est verset tel, chapitre tel. Mais je te dirai dans quel livre ça se trouve. À quel niveau de l'histoire ça se trouve. C'est comme ça que devait lire la Bible. Ne dites jamais amen à un verset de prendre en faire votre amen verset de la Bible. Sans être capable de savoir où elle se trouve. Cette référence. Ok, on y va. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'observation. Ensuite, vous entrez dans le texte. À proprement parler. Vous relevez les principaux événements, les personnes présentes, le contenu général. Souvenez-vous, nous sommes toujours dans notre exemple du journal. On a vu le texte, on a vu le titre, on a vu la date. Maintenant, on commence à lire. Il y a eu inauguration de telle chose à tel endroit. Le président était là. Président le ministre des Affaires, c'est ministre ici, c'est là. Vous commencez à voir les personnes qui étaient présentes. Vous commencez à comprendre l'événement en soi, c'était quoi. Frères et sœurs, nous comprenons mieux les commentaires de Facebook et même la Bible. Nous suivons bien les articles de gens que la Bible. Je ne sais pas comment on la lit. L'observation, cela consiste à trouver l'idée principale. Nous avons deux mercredis, vous n'en faites pas, je vais revenir sur tout ça en détail maintenant pour qu'on puisse ouvrir. Quels sont les personnages principaux? Où et quand l'action, s'il y en a, se déroule? Et détailler les différentes étapes de l'action ou du raisonnement établi par l'auteur. Il peut être utile d'identifier les différentes parties du texte, ainsi que les mots ou les expressions qui sont répétées. Cela peut vous aider à trouver l'idée générale.
Je vais citer un texte. Nangina lobela texte moko. Je vais chercher un texte très aimé. Nazoluka obiso tolinga rapenda mingi teni moko biblia tolinga rapenda. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Balonga ke likona makila ya mwana mpate. Et la parole de leur témoignage. Pe maloba ya matatolina bango. Ça se trouve dans quel chapitre, dans quel livre? Yango ezali bipai nini ya biblia? Levez votre main pour vous engager individuellement sur votre réponse à vos risques et périls. Oui. Apocalypse, fantastique. Apocalypse. Au début ou vers la fin? Oui. Vers la fin. Okay. Ils l'ont vaincu. C'est il, c'est qui? Baoyo balonga ki nde banani. Oui. Il l'a. Qui ont vaincu. Obalonga ki banani. Les anges. Ok. Ont vaincu qui? Balonga ki nani. Ont vaincu qui? Balonga ki nani. Le diable. Ok. Satana. À cause du sang de l'agneau. Ok. Pona makila ya mwana mpate. Et la parole de leur témoignage. Pe maloba ya matatoli na bango. Ok. Ni. Comment va Rassiko? Commence à avoir peur. Alors, il. Baowana. Voilà, les anges. Bamwanze. Non. Il, c'est qui? Baowana. C'était qui? Ezaki banane. Hein? Banane. Qui sont pour les anges? Banane et bandimi qui ezaki bamwanze. Oh. Qui sont pour. Pas, c'était pas les anges. Baobabi qui ezaki bamwanze était. Bon, c'était qui? Ezaki kasi banane. Hein? Les chrétiens. Ba Christou. Zambi ka kwa luzolo. Si non non. Oh. Alors, pourquoi ça vous fait ça? Pour les autres, la parce que vous n'avez pas très souvent lu les textes là dans son contexte. Ezali po ete bino biso to tanga maloba o tina lo lenge pe dans la likanisi ya moto ko makia. Vous avez peut-être déjà lu les textes, mais vous n'avez jamais lu les textes d'avant, ni les textes d'après, ni les chapitres dans son entièreté. De fois pour juste déterminer le contexte, il suffit de lire juste le verset d'avant, le verset d'après, ou l'entièreté du chapitre. L'histoire parle des anges, Michael et ses anges, qui ont vaincu le dragon. Oh, balonga ki dragon. Zongela ko pana o tabu zongela moko tanga mara simana. Tu peux rentrer et reprendre la lecture. OK. Du coup, vous avez fait les chrétiens. Na boyo zik to chemba moko. Ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Oh, balonga na matato li amalo. Et c'est pour ça que tu penses que nous vainquons le diable quand tu cries très fort. Na boyende to kanisaka te dunga kasa tanga 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 katoga nga pesa makasi. Ce que tu devais te poser comme question c'est. Oh, esengala ki omi tuna motune zaki. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Balonga ki e et la parole de leur témoignage. Pe maloba ya matato li amalo. Les anges ont vaincu. Ba mwanze balonga ki. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Balonga ki et la parole de leur témoignage. Pona makila pe maloba matato li na bango. Vous êtes sûr que c'est ça? Bososo li pende zali yango. Est-ce que c'est Michel, Michael et les anges? Ils allaient prendre Michel, Michael, puis bah moins. Ou on parle plutôt des martyrs, des anciens martyrs. To bazolo babato babomaka bango pona Yesu masie na batangu eleka. Pourquoi c'est maintenant qu'on a pu avoir une réponse? Nazo troubler Abinondeo. Je suis en train de vous troubler. J'aimerais vous donner envie d'aller lire ces textes-là vous-même. Vous ne devez pas en arriver au point d'appliquer ça sans savoir c'était quoi. Si vous ne comprenez pas la parole de leur témoignage, c'était quoi? Aujourd'hui, vous faites quoi? La parole de leur témoignage aujourd'hui, pour nous, vous savez, signifie quoi? Vous faites quoi quand c'est le moment de la parole de leur témoignage? Vous faites quoi? Comment vous faites ça? Satan, je te parle. Satan, na lobelio. La
La parole de leur témoignage. Comment vous faites ça aujourd'hui? Comment vous appliquez ça? Si vous ne comprenez pas le contexte, vous biaisez l'interprétation. Et vous biaisez aussi l'application. Je n'ai rien interprété. Je n'ai même pas donné de réponse en fait. Dans l'observation qui est la première étape dans OIA, observation. On regarde maintenant avec précision les textes lui-même. Il a vaincu, je dois savoir, il ou Anezal Rabiza. L'on l'a long vécu, ne dites pas long, c'est certainement les diables car en général. À ce moment-là, dans les textes, on l'a appelé comment? À cause du sang de l'agneau, on n'a pas dit par le sang de l'agneau. On n'a pas dit en citant le sang de l'agneau. Vous devez savoir les mots qui sont utilisés, les propositions qui sont utilisées là-bas. Alors lisez la Bible de la langue que vous maîtrisez. La première des choses dont vous avez besoin pour comprendre la Bible, ce n'est pas un dictionnaire biblique. C'est un dictionnaire de français. Le précis de grammaire. Les par contre, le pourtant, les car, les pendant, ce n'est pas mis là par hasard. C'est mis à dessein pour que ça signifie ce que ça signifie vraiment dans le français. I, c'est interprétation. Viens ensuite, donc, I, on appelle I, c'est interprétation. Donc, c'est-à-dire, on a dit O, I, A, O comme observation. Oh, ezali kotala penza na bopete ko sosola na kotala. I c'est interprétation. I ezali ko limbola. C'est-à-dire vient ensuite la compréhension du message de l'auteur. J'ai vu les mots, j'ai vu qui était là, les personnages, qu'est-ce qu'ils ont fait. Maintenant je comprends le message général, qu'est-ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai compris les mots. Mais quel est le message qu'il me fait comprendre, que je peux dire à l'autre aussi? La troisième étape d'encore. Plus ou moins depuis que j'ai commencé, c'est l'interprétation. Une fois vous avez compris quelle est l'idée du texte, vous maintenant posez la question de savoir qu'est-ce que l'auteur a voulu dire à ses lecteurs par ce passage. Qu'est-ce qu'il a voulu souligner? Avant de poser la question du sens du texte, il faut faire un petit effort de mise en contexte et vous mettre à la place des destinataires d'origine. Ne dites pas seulement ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. La parole de leur témoignage. Et la xinine pour Nabiso Lelo. Comment nous pouvons vaincre par le sang? La parole de leur témoignage. Non, non, au Pumwe, là tu as sauté. Reviens d'abord à comprendre eux-mêmes quand ils ont vaincu par la parole de l'être, c'était quoi? Ils ont fait quoi exactement à cette époque-là, à ce moment-là? Quand ils ont dit ça, eux, ce jour-là, ça voulait dire quoi? Ils ont fait quoi? Si tu ne peux pas comprendre ça, comment ils ont fait ça? Si tu ne peux pas refaire l'histoire de ce qui s'est fait ce jour-là, tu ne peux pas comprendre la Bible. Si on te demande, faites les gestes de ce que tu lis là. À l'époque, si tu ne sais pas exprimer exactement ce que tu as lu, c'est que tu as un problème d'interprétation, tu n'as pas compris. Alors ne saute pas tout de suite à dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et c'est généralement ce que nous faisons avec la Bible. Le Seigneur veut m'enseigner quoi? Tu sautes directement pour dire qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner. Le première personne que Dieu voulait enseigner, ce n'était pas toi. Quand il s'est écrit aux Corinthiens, c'était d'abord les Corinthiens. Les premières personnes qui comprenaient ça, c'était les Corinthiens. Ah, c'est l'application. En fait, vous faites des liens entre les textes et votre propre vie.
et vous réfléchissez à l'impact qu'il peut avoir. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Et la parole de leur témoignage. Je comprends ça très bien. Je peux poser même les gestes qui expliquent ça. Ça signifie pourquoi, comment moi je peux appliquer ça aujourd'hui. Dans quelles circonstances je peux appliquer ça aujourd'hui. Si maintenant je commence à parler, à confesser les paroles de mon témoignage, ça fait quoi dans les camps de l'ennemi? Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous n'êtes pas encore dangereux pour le diable. Frère, le diable n'a pas peur de ceux qui crient. Il a peur de ceux qui ont l'épée de l'esprit. De maîtriser la parole de Dieu. Puisque je vais faire tout ça en détail la prochaine fois, on va faire maintenant l'exercice de la lecture. Je répète, si vous avez saisi le contexte, vous ne faites que trois choses. Vous observez les textes. Après avoir bien regardé, point, virgule, compris chaque mot qu'il y a dedans, après, vous interprétez les textes. Vous essayez de savoir ce qu'il voulait dire à leur époque. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Après, vous décidez d'appliquer les textes. Par rapport à ce que ça peut signifier pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, comme, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'action que je dois poser? Regardons maintenant le texte que nous avons lu ensemble. C'est ce que je vous ai demandé de lire, non? Chacun de nous a lu, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Terre? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous avez observé dans les textes? Commençons par la première partie. Observez les textes. L'observation, vous pouvez le faire pendant des heures et des heures. On n'est qu'aux trois premiers versets. Je passe. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Observez. Vous observez? Botali? La monnaie botala. Je vois que vous êtes en train de regarder, non pas d'observer. N'observez pas. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. À un autre, l'interprétation des langues.
un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Observez encore. L'observation est un art, on l'apprend au fur et à mesure, on grandit dans sa façon d'observer. Par exemple, voici les éléments du contexte du livre de Corinthiens. L'église de Corinthe a été fondée par Paul en 51, comme l'atteste la pierre d'Elphès, découverte en 1905, qui assigne cette date au proconsul de Galion. Ça, c'est de l'histoire. Revenant découragé d'Athènes, l'apôtre commence par annoncer l'évangile à la synagogue. La première fois où Paul était à Corinthe, il a commencé d'abord à prêcher dans une synagogue. C'est dans Actes chapitre 19, verset 4. Après avoir prêché les Juifs ont commencé à le contredire à Corinthe. C'est dans Actes chapitre 19, verset 6. Quelques Juifs se convertissent après sa prédication. Dans Actes chapitre 19, verset 8, verset 17. Ils constitueront le noyau initial de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe a été bâtie quand? Depuis dans Actes des Apôtres. L'église de Corinthe, dans Actes des Apôtres. Il est allé prêcher. Les Juifs se sont fâchés parce qu'ils commençaient d'abord à prêcher dans les synagogues. D'autres n'ont pas cru. Les peu qui avaient cru ont été le noyau des départs. L'église de Corinthe, quoi qu'on parle aux Corinthiens, les premiers chrétiens de Corinthe étaient juifs et non païens. Alors, vous pouvez aller commencer à savoir Priscille, Aquilas, quand est-ce qu'il les a rencontrés, Silas et Timothée. Quand vous comprenez les contextes, on appelle ça contexte historique, vous pouvez maintenant savoir la connexion qui existe. Corinthiens, ce n'est pas un livre, c'est la vie des gens qu'ils vivaient. Il est écrit aux Corinthiens, mais il y avait une vie. Il y a des connexions avec les autres livres. Voilà, tout ça là. Vous découvrez des gens comme les Chloé. Vous commencez à comprendre pourquoi Paul va en parler dedans. Maintenant, vous rentrez dans les textes. Mercredi prochain, je vais vous expliquer tous les autres types de contextes. Contexte historique, contexte culturel, contexte philologique, tous ces gens. Pour que vous puissiez bien savoir qu'est-ce qu'il faut savoir. Mais Oya, on observe. Vous êtes là? On va observer ensemble. Pour ce qui concerne les dons spirituels, de quoi Paul parle ici? Hein? Don spirituel. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas qui? Frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ça passe, hein? Mais vous n'êtes pas posé une question. Quand vous entrez dans un débat, alors ça vous complique. Pourquoi il n'y a pas sœur? Pourquoi il dit? Balobini, frère, virgule, que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Quand vous débattez avec quelqu'un qui vous dit qu'une sœur ne doit pas prophétiser, c'est ici qu'il va s'asseoir. Il dit, Paul dit bien. Je voudrais, virgule, frère, que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Vous voyez ça?
Mais quand vous commencez à comprendre l'expression biblique, et que les mots qu'il y a là-bas en grec, chaque fois on les traduit comme ça par frère au pluriel, mais ça n'a pas d'idée de genre. Frère, en grec, ce qui parle ici en hébreu, ça ne parle pas du fait qu'il y a les genres masculins ou les genres féminins. Ça veut dire bien aimé tous ceux qui sont là-bas. Et comme vous le savez bien que lorsqu'on mélange masculin et féminin, c'est le masculin qui domine. Ici, c'est pour ne pas parler des hommes. C'est pour parler aussi des femmes. Des bisous. Vous avez entendu ça? Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduit. Et pas une idole. Nous l'avons dit, nous l'avons dit. Le mot païen ici veut dire quoi? Mon pagano a un colobanin. Parce qu'il est déjà en train d'écrire à des Corinthiens. Pour azo comme la bande qu'on a Corinthiens. Qui sont déjà d'origine païenne. Oh bazali na ebande li bazali no ba pagano. Mais il leur dit quand vous étiez païen. Kasayib si bontang obino bozali ki ba pagano. Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Bomitika ki kokene pa ila bikeko balo bakate. Les idoles muettes là c'est quoi? Ba bikeko oyo balo bakate lende zali nan topenin. So yo boleka non les idoles muettes, c'est ça pas. Yo mi omi lo bikaka ezali kaka ba bikeko oyo balo bakate. Ki konaka biso nanda komo na ikeko me lo bakate. Tu peux voir les idoles à la maison qui ne parlent pas. Non. En Corinthe, ce n'était pas Bikeko et Lobarate. Kuna en Corinthe, ce n'était pas Bikeko et Lobarate. Mais qui Bikeko et Minene? C'était les idoles, c'était grand comme idole. Des gigantes textes statuettes. Ou quand tu entres dans le temple, tu te vois tout petit devant ces dieux-là. Ce que quand tu attaques ta tempe, le mimoni moqué les bossons à bandambe na bango. Et quand Paul est là en train de leur dire, tant au Pétro Lazali Koloba, c'est dans des idoles muettes. Ezali na bikeko ba bakate. C'est tout petit à mettre à la poche. Ezate mikeo toko kocha katikati na ba. Il a dit quand vous allez dans leur temple, kasoko ke katikati na ba tempe. Ils sont gigantesques. Ils vous imposent une grandeur. Bazali kokonza bino. Mais vous disent rien. Mais bazalo belo omrote. Ils ont des impressions de grandeur. Bazalo le lenge ya monene. Mais ce ne sont pas des dieux. Kasi bazali banzambe te. Les mots idoles dans votre tête par contre. Idole pour la biso na moto. Ozomo na bato ba Congo. Tu es en train de voir le frère de ba Congo. Ozomo na mwana mukie komwa mukuse. Tu vois leur petit. Mutumwa nganga zo sala boye. Qui sont en train de. Ya ngone idole. J'étais ya ngone yo kanisi. Idole série na bango ça qui très sophistiqué. Pour la bango idole. Bien organisé. C'est et bon ça ma qui penda malamo, c'est qui minene, c'est qui kocha ko banga. Qui pensait que le mot idole là voulait dire un grand monument? Non, la canisse qui était awa là au bazolo ba babike kozai ki babike kondé amine ne amikete. Et que ce n'est pas question de petites idoles d'abord, mais il y en avait dans toutes les tailles. Ezai ki amike kaka nante ka sezai ki amine ne pe na balolenge ebele. C'est pourquoi je vous déclare que nul. Yango nazali koloba na mino motote. S'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est Seigneur. Voici l'erreur qu'on fait d'habitude. Dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est Seigneur. Non, ce n'est pas comme ça que vous devez lire ça. Quand on met deux points, c'est-à-dire il y a un discours direct. Discours direct, c'est-à-dire que ce n'est plus moi qui parle. J'ai fait parler la personne elle-même directement. Non, je fais parler la personne elle-même directement. Quand vous voyez ces deux points, et puis après vous allez voir le point d'exclamation. Cette partie ici, ce n'est pas les paroles de Paul. Il répète ce que les Corinthiens disent. Il répète ce que la personne dit. Parce que dans un contexte où il prie, ils adorent, ils chantent, les prophètes parlent. Certains disent Jésus est Seigneur. D'autres dans leur moment prophétique disent Jésus est anathème. Alors il dit, on ne peut pas être poussé par l'esprit et dire Jésus est anathème. Mais voilà le problème. Le mot anathème là. Mais vous faites passer. Dit nul ne peut dire que Jésus est anathème. Jésus est anathème. On ne peut pas dire ça. Anathème veut dire quoi? Au lieu de lire
deux chapitres le jour. Écrivez quelque part anathème. Comment anathème na pembeni? Continue ta lecture. Koba kotanga. Écris dans ton cahier les mots difficiles que tu n'as pas compris. Comment la pembeni ba maloba? Oh yo so solité? Méditer alors signifie. Manuela, récupérer ces mots-là, aller chercher maintenant les réponses sur ces mots-là. Ce n'est pas parce que tu as lu du début jusqu'à la fin. Mais l'homme dit 1 Corinthiens chapitre, tu n'as rien compris du tout. Tu as lu 1 Corinthiens. Mais méditer signifie revenir sur toutes ces difficultés et de façon claire dans la tête. Que veut dire anathème? Anathème. Anathème, oui mon frère. Anathème. Quoi? Maudit. Bonne idée. Très facile. Mais si tu rencontres encore le mot anathème ailleurs. Toujours dans la Bible. Et que tu essaies de comprendre anathème ici dans ce contexte maudit seulement. Tu seras perdu dans l'interprétation de toute la Bible. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Regardez. Tala. Ça, c'est le dictionnaire biblique. Ah ouais, c'est le dictionnaire biblique et sur le sens maloba. Tu cherches le mot anathème parce que tu ne le comprends pas. Et ça commence à te faire sortir d'où vient l'idée d'anathème. Anathème ne veut pas dire maudit. Ce n'est pas le premier sens du mot anathème. Dans ce contexte-là. On peut l'utiliser pour dire maudit. Mais le sens premier du mot anathème, c'est juste en hébreu l'idée de mettre de côté. Et on l'utilisait dans l'Ancien Testament quand on utilisait l'expression de une chose est vouée à l'interdit. Quand le peuple faisait la conquête, Dieu disait cette ville-là, vous la brûlez. Cette ville-là, vous la brûlez et vous ne prenez rien dedans. Vous la vouerez par interdit. C'est-à-dire, vous la consacrez pour Dieu sans rien y prendre. Vous les mettez à part comme Dieu le voulait. Parce que Dieu n'apprécie pas ça. Vous ne consacrez pas en faveur de Dieu pour que Dieu en prenne plaisir. Mais vous les mettez de côté justement parce que Dieu déteste ça. Alors, si vous n'arrivez pas à comprendre anathème dans tout son sens, la prochaine fois que vous rencontrez anathème, le même mot anathème, vous êtes perdu. Alors, écrivez-le. Anathème quelque part. Anathème. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez peut-être pas de dictionnaire ou quoi que ce soit. Ou pas d'internet. Mais pendant la journée, à un autre moment, trouvez un endroit où vous pouvez savoir ce que veut dire anathème. Si vous avez lu les versets seulement le matin et vous n'y avez plus pensé la journée, ça ne s'appelle pas méditer. Est-ce que j'ai rendu ça difficile? À moins que le matin, vous ayez trouvé les réponses à toutes vos questions. Verset 4 dit, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Vous n'avez pas observé qu'il y a une progression trinitaire et qu'on utilise un verbe différent à chaque personne de la Trinité. On parle de diversité de dons pour l'Esprit. Diversité de ministères pour le Seigneur. Ça, c'est le nom qu'on utilise pour parler de Jésus. Diversité d'opérations pour parler de Dieu. Ça, c'est le terme qu'on utilise pour parler du Père.
Et vous ne rendez pas compte que l'Église agit par opération, ministère et don. Ainsi, une personne peut être guérie à l'église, mais pour la même guérison, j'opère différemment. Et le pasteur David Junior opère différemment. Ça, c'est l'exercice de puissance par le Père. Ce sont des opérations. Bon, là-bas, elle est là. Et vous comprenez que le Saint-Esprit ne donne pas des ministères. Comme la Bible en parle dans l'idée du service de la parole. C'est plutôt le Seigneur Jésus qui appelle au ministère. Et que les dons sont donnés par le Saint-Esprit. Et Paul va garder cette logique dans tout son argument. Or, Kasi, à chacun, na biso, la manifestation de l'Esprit le lenge a kotali sa est donnée pour l'utilité commune. Et pesa mi pola, et na biso nyoso. Donc, Kasi, Paul n'essaye pas de nous parler de fait que le Saint-Esprit donne, et te molimo na nzambe a pesaka, mais de comment c'est que l'Esprit donne se manifeste. Le lenge nili, esala maka maka mo, o es, molimo na nzambe a pesaka. Dans le texte, Kasi, dans le grec, na makomi, na les grec, mots qu'il y a là, manifestation d'esprit. C'est le même mot qu'il y a au chapitre 1, au chapitre 12, verset 1, où on a mis les dons spirituels. Les dons spirituels. Les choses de l'esprit. Quand il dit, j'aimerais que vous ne soyez pas ignorant au sujet des choses de l'esprit. En effet, Alain est donné par l'esprit une parole de sagesse. Mais la manifestation se fera selon Dieu. Et tout le monde n'a pas l'autorité que lui a donné le Seigneur. Chaque don ne traduit pas un ministère. Ici, c'est ce que l'Esprit a donné. Comment ça s'applique, comment ça se manifeste. Pas comment on l'opère, mais comment ça se manifeste. La parole de connaissance n'est pas une opération en soi. C'est une manifestation. Donc, on peut avoir tous de la même parole de connaissance. Mais dans les opérations, on distingue. Mais le don qu'on a reçu est exactement le même. Ce don-là, quand il se manifeste, il s'appelle parole de connaissance. Mais la manière dont chacun d'entre nous opère en cela, c'est complètement différent. Je ne vais pas vous embrouiller aujourd'hui. J'ai pris ce texte parce que je sais que vous aimez les choses de l'esprit. Tout ça. En effet, Alain est donné par l'esprit. Qui donne? Hein? On n'a pas dit le Seigneur Jésus a donné. On a dit l'esprit. Le Saint-Esprit a donné. Une parole de sagesse. Une. Ce n'est pas là pour rien.